La reine Elisabeth II et le prince Philippe attendaient avec grande impatience de pouvoir enfin se rendre à Balmoral, leur lieu de vacances préféré. Sieste enfin chose faite depuis le 4 août 2020. Mais Sa Majesté a tout de même été prévenue que pendant les 3 mois qu'elle passera dans sa propriété d'Aberdeenshire, elle ne pourra pas organiser de grandes réunions de famille. Une nouvelle qui a particulièrement attristé la grand-mère des princes William et Harry. Seulement, à cause de la pandémie du coronavirus qui continue de faire rage, il n'est pas question de faire prendre le moindre risque à la souveraine âgée de 94 ans, ainsi qu'à son mari, qui est pour sa part âgé de 99 ans. Ainsi, comme le rapporte l'Express, l'expert en royauté Roy Anika a expliqué que les mesures de distanciation sociale empêcheront les visiteurs d'installer un camp à Balmoral et que des dispositions alternatives devront être prises pour assurer la sécurité de la reine et du prince. Aucun membre de la famille qui va visiter ne restera à l'intérieur du château. Toutes les activités seront en plein air, il y aura donc l'équitation, le tir et la pêche, a-t-il détaillé. Malgré tout, les membres de la famille royale pourront également se rendre à Balmoral durant les vacances, mais ils devront séjourner dans une maison séparée du domaine. Après la bulle formée à Windsor autour d'Elisabeth II et du prince Philippe, une nouvelle bulle est en train d'être mise en place au sein de Balmoral. La reine Elisabeth II séjourne dans la résidence principale de Balmoral comme Sa Majesté et le duc d'Édimbourg séjourneront dans la résidence principale de Balmoral. Le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles devraient retourner dans leur résidence à Birkal. En effet, le prince de Galles et son épouse retourneront en Écosse après un retour de 2 mois dans le Gloucestershire lors de la fin du confinement.